Auxerre 11e reçoit Orléans 12e. Égalité de points entre les deux clubs. Auxerre est une équipe impressionnante en ce moment. Elle reste sur 2 victoires sur le score de 4 à 0 sur 8 matchs sans défaite. Il est bien difficile de marquer un but à cette équipe auxerroise. Même si Orléans croit réussir ce coup-là dès le début de la partie. But refusé à Durel Avounou. Les Auxerrois n'ont pas encaissé de but depuis 4 matchs. La JA réussit à ouvrir le score juste avant la pause. 45e minute, Julien Ferré marque son premier but en Dominos Ligue 2 avec la JA Auxerre. Son dernier but dans ce championnat datait de 2007-2008 avec le Stade de Reims. Il a ensuite beaucoup évolué en Ligue 1 Conforama. Mais en retrouvant la Dominos Ligue 2, il marque ce but très important. C'était la dernière action de la première période. Auxerre mène à 1-0. Orléans s'est fait piéger. Les Orléanais ont l'espoir de revenir au score. Ils n'ont réussi qu'une victoire pour 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Nouvelle occasion pour la JA avec Mancini. Si Daniel Mancini n'a pas marqué, les Auxerrois insistent autour de Philippe Poteau d'être dangereux. Orléans a beaucoup de mal à sortir de sa moitié de terrain. La meilleure équipe, c'est bien la JA. Les Bourguignons continuent avec Philippe Poteau. Le ballon est relâché par le gardien Gauthier Gallon. Il semble s'en saisir, mais Rémi Dugimon passe devant lui pour le 2-0 à la 77e minute. Le deuxième but de la saison pour Rémi Dugimon. Auxerre se détache et c'est mérité. Auxerre avait gagné 3-0 sur le terrain d'Orléans lors du premier match de la saison entre les deux clubs. Pour l'instant, c'est 2-0. Mais les joueurs de Pablo Correa insistent pour en marquer un troisième. Philippe Poteau pour décaler sur le côté. Le petit centre pour la reprise de Carlin Sarcus. Le centre de Julien Ferré, buteur et donc passeur décisif ici. Et Arcus qui marque son deuxième but de la saison. Très belle action. Et Auxerre augmente le score. C'est bien la meilleure équipe qui s'impose à l'occasion de cette partie. Succès net et indiscutable de la JA Auxerre. 3-0 contre Orléans.